Amis croisés, bonsoir. Un entretien de plus sur l'histoire secrète de la philosophie grecque, qui est, comme vous le savez, la deuxième partie de ce livre hein, sur l'intelligence du christianisme, du premier tome qui s'appelle « L'humanité en quête de Dieu ». J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que le deuxième tome va sortir, ou sera probablement sorti, quand cet entretien sera diffusé. Le deuxième tome, ça s'appelle « De la révélation à l'apostasie ». Vous voyez à quelle époque je veux en venir. Histoire de la philosophie grecque et histoire secrète. Je vais vous parler aujourd'hui de Platon et d'Aristote. Et évidemment, je ne vais pas vous exposer leur philosophie, il y faudrait 10 heures. Ce sont de trop grands philosophes. Ce qui m'intéresse, c'est leur rapport à l'ésotérisme, leur rapport aux traditions cosmiques. Première chose que je peux dire, c'est que il n'y a pas d'opposition. On oppose souvent Platon et Aristote. Il n'y a pas d'opposition, il y a des divergences. Aristote, bon, qui est plus jeune que Platon, corrige en partie Platon, mais pas totalement. Et ils ont des points communs. Par exemple, Aristote va corriger Platon, il va reprocher par exemple à Platon à sa théorie des idées d'être trop mathématique, une sorte de pan-mathématisme, il s'expliquera ainsi, ce qui est la dette de Platon à Pythagore, alors que de mon point de vue en tout cas, Aristote va beaucoup plus s'éloigner de Pythagore. C'est pas la seule dette d'ailleurs de Platon à Pythagore, hein, parce qu'il y a aussi la métempsychose. Alors, je vous renvoie aux entretiens que j'avais pu faire sur Socrate, sur Pythagore et Socrate, dont j'ai dit plutôt du mal, et par contre, je vais dire plutôt du bien de Platon et d'Aristote, c'est-à-dire des deux. Ils ont tous les deux, ce qui les empêche de réussir, c'est qu'ils ont tous les deux une dette à Socrate. Alors, c'est-à-dire que vous savez que Platon a été l'élève de Socrate et que Aristote est l'élève de Platon. Donc on est de génération en génération. Et le problème, c'est que ils vont concevoir, Platon et Aristote conçoivent un dieu unique, donc c'est déjà une révolution par rapport à la religion grecque, hein, ils suivent en cela Socrate et Anaxagore. Mais le dieu de Socrate, c'est là où je voudrais le rappeler, c'est pas notre dieu, c'est un démiurge. Ce qu'on appelle un démiurge, c'est-à-dire c'est un esprit qui est interne au cosmos. Alors il est son intelligence, il est son l'ordonnateur du cosmos, ordonnateur, vous savez, cosmos, je répète, mais le mot lui-même veut dire ordre, ça c'est l'ordre de la nature, le cosmos. Il y avait un chaos qui est devenu un cosmos. Mais ça n'est pas le dieu créateur de la Bible. Alors quand Platon et Aristote vivent, la Genèse a été écrite. La métaphysique de la Genèse n'est pas encore dans les esprits. Alors, il n'y a pas de philosophie juive à cette époque qui ait clairement exprimé ce que peut représenter la révolution métaphysique de la Genèse. Ça n'est pas exprimé. Donc, les Grecs ont très probablement connaissance du texte, en tout cas de la religion juive évidemment, donc de l'existence d'un dieu unique, mais ils n'ont pas la compréhension de la conséquence métaphysique, ce qui est quand même très important pour la philosophie, puisque la métaphysique est à la base de la philosophie. Et cette compréhension, elle n'apparaîtra vraiment au philosophe qu'après la révélation, parce que c'est à ce moment-là qu'on comprendra, alors après la révélation, ce sera donc le fameux tome 2, évidemment, on comprendra à ce moment-là que la Bible suit un dualisme métaphysique, c'est-à-dire que l'être de la nature n'est pas l'être de Dieu. Dieu crée ex nihilo, donc il y a un être de Dieu, l'être créateur, et un être de la nature qui est séparé. Et ça apparaît d'autant plus après aux penseurs qu'il y a eu l'événement de l'incarnation. À partir du moment où le Christ a une double nature, cela veut dire qu'il y a deux ordres métaphysiques. Le Christ est incarné, donc il descend dans la nature humaine, et il a sa nature divine, donc s'il descend dans la nature humaine, c'est que sa nature divine n'est pas interne à la nature. J'espère pouvoir m'exprimer assez clairement. À ce moment-là, ça apparaîtra clairement aux esprits, ça n'est pas apparu aux Grecs. Donc les Grecs ont connaissance de la révélation faite aux Juifs, mais ils n'en ont pas tiré les conséquences métaphysiques. C'est la cause de leur échec, parce que Platon et Aristote, bon, c'est l'apogée de la philosophie grecque, sont en quête de Dieu, il n'y a aucun doute, ils sont en quête de raison, ce qui est lié, puisque finalement, c'est parce que Dieu est que nous pouvons, nous, avoir une raison, parce que nous sommes à son image.
Et ils échouent. Donc la cause de leur échec, c'est la métaphysique, c'est-à-dire le monisme métaphysique. Pardon d'y insister, mais c'est essentiel. On va commencer par Platon. Dans les milieux traditionnalistes chrétiens, Platon est souvent mal vu, et Aristote est évidemment bien vu, puisque c'est à la base du thomisme. Mais moi, je ne suis pas anti-Platon. Il y a dans Platon des éléments qui sont compatibles avec le christianisme, et Platon a fait un énorme apport à la philosophie, incomplet, mais un immense apport. Donc je vais donc commencer par Platon, et pas pour en dire du mal. Je vais donner ces dates, c'est -428, -348. Donc on est après le siècle de Périclès, les dégâts sont faits. Platon est confronté aux tyrans, est confronté à l'occupation de son pays, etc. C'est pourquoi d'ailleurs la politique va beaucoup le tourmenter. Mais au départ, Platon, il est riche, c'est quelqu'un de très riche, il est beau, il est très sensible, alors, pas nécessairement aux femmes. Il est esthète et c'est un poète. Et puis un événement va bouleverser sa vie et va l'attirer vers l'abstraction. Et cet événement, c'est la rencontre de Socrate. Bon, Socrate qui est le grand philosophe, et Platon est véritablement subjugué par son maître, il n'y a pas d'autre mot. Et il va l'écouter pendant 3 ans à peu près, un peu plus de 3 ans. Et on arrive au procès de Socrate. Donc le procès de Socrate, c'est -399. Et il assiste au procès, et Platon assiste au procès, il assiste à la mort de Socrate. Et évidemment, c'est pour lui un immense choc. Ça va l'influencer parce qu'il va faire attention dans sa philosophie à ne pas risquer finalement les mêmes sanctions que Socrate. Mais il va aussi, alors c'est un des torts de Platon, c'est que c'est de lui que va naître le mythe Socrate. C'est-à-dire qu'on va avoir, on a dans notre histoire de la philosophie un Socrate mythique, mais c'est parce que Platon en a fait ce personnage mythique, parce que c'était son maître. Socrate, vous savez que la méthode socratique, c'est la maïeutique. La maïeutique, c'est une sorte d'accouchement, et en fait, c'est les idées de Platon, puisque Platon est fondateur d'idéalisme, sont la suite des nuées de Socrate. C'est une transformation du langage, et c'est également une attaque contre les dieux, contre la religion grecque. Simplement, elle va être plus obviée. Platon se passionne donc pour les mathématiques et il conçoit l'idéalisme. Alors, je vais pardonner ce qu'est l'idéalisme, mais l'idée d'une façon générale, ce qu'on appelle une idée, n'est-ce pas, c'est un archétype spirituel, enfin dans Platon en tout cas, et qui se situe dans un autre monde. Et qui sert de modèle à la construction de notre monde. Donc ça, c'est déjà c'est compatible avec le christianisme, et c'est un immense apport de Platon. C'est de dire, il y a deux mondes. Vous avez le monde visible, que l'on va connaître par notre connaissance sensible, par notre sensibilité, et un monde invisible. Un monde invisible, mais ce monde, il est invisible, mais il est quand même intelligible. Et il est intelligible justement parce que c'est le monde des idées et que nous pouvons nous atteindre à ces idées. Donc il y a dans Platon cet apport, il y a donc un au-delà. Platon a la notion d'un au-delà, et c'est cet au-delà qui va expliquer le cosmos. Donc c'est compatible évidemment avec la création par Dieu, à condition que on rapporte l'idée à la création de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut avoir une idée de la création, mais la création n'est pas Dieu, hein. Soyons toujours bien le plus précis possible. Platon a aussi le mérite de donner un certain nombre de valeurs qui vont être les valeurs de Dieu. Le bien, le beau et le vrai. C'est trois immenses valeurs qui vont pouvoir désigner Dieu, et elles sont dans Platon. Le problème, c'est qu'il ne les tient pas de la religion juive, probablement pas, on ne peut pas savoir, mais probablement pas, mais qu'elles ressemblent étrangement, ces valeurs ressemblent étrangement à celles qui étaient incluses dans les trois mondes de Pythagore. Donc Pythagore avait une sorte de système avec des mondes successifs, et ces valeurs-là sont, à mon avis, et d'autres évidemment, tirées plus de Pythagore que de la Bible. Donc tout ça c'est compatible, hein. Je fais un résumé, mais tout ça c'est compatible. Mais il y a beaucoup de choses qui sont incompatibles. La première chose qui est incompatible, c'est justement cette notion de Dieu, qui est
pour Platon, n'est-ce pas, et qui n'est pas un dieu créateur, mais qui est un esprit. C'est un esprit du cosmos. Ça, c'est la dette à Socrate. Et Platon va faire de cet esprit, en philosophie, un ordonnateur du cosmos, mais il va en faire aussi ce que l'on va appeler l'âme du monde. C'est l'âme du monde, c'est ce principe cosmique que l'on va retrouver dans la fameuse gnose. Il y a une filiation, évidemment, de Platon à la gnose, cette notion fondamentale d'âme du monde, qui est l'esprit cosmique à l'intérieur de la matière. Et à partir de là, évidemment, il va concevoir une fausse mystique, parce que pour être un vrai mystique, il faut, pour pouvoir contempler Dieu, il faut que Dieu ait un être. On ne peut pas contempler un Dieu qui n'a pas d'être, qui n'existe pas. Donc c'est le cas, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'être qui est, n'est-ce pas, comme dans la Bible, dans Platon. Donc une fausse mystique, et cette fausse mystique va évidemment aussi devenir celle de la gnose, et elle est ce que l'on appelle un spiritualisme, c'est une croyance dans un esprit. À partir du moment où on a une fausse conception de Dieu, on a évidemment aussi un faux rationalisme. Platon prétend au rationnel, mais à partir du moment où il est spiritualiste, donc il croit en cet esprit cosmique, il est, comme l'avait déjà dit d'ailleurs le père Thonard, rationaliste et non pas rationnel. Ça n'est pas la même chose. On est rationaliste dans un naturalisme, alors qu'on ne peut atteindre la raison, donc être rationnel, qu'en référence à Dieu, à la raison de Dieu. Donc ça, Platon, c'est pas dans Platon. Et ça va avoir évidemment des conséquences philosophiques d'abord, des conséquences sur la religion plus tard, mais philosophiques. Parce que pour Platon, l'esprit prédomine tant que tout est spirituel. C'est-à-dire que pour lui, la matière va devenir une illusion, ce qu'on trouvera aussi en philosophie beaucoup plus tard. Alors que dans le christianisme, la matière est une réalité. Elle est créée par Dieu, mais c'est une réalité, elle n'est pas une illusion. C'est le fameux, dans Platon, le fameux mythe de la caverne, qui est très connu. Vous savez que l'homme, n'est-ce pas, a trop de lumière en face de lui, donc il se tourne, il ne voit en fait que le fond de la caverne, et dans le fond de la caverne, on voit des ombres, c'est-à-dire qu'on voit des reflets de la matière, on voit des ombres. Et en fait, pour Platon, un seul homme, un seul type d'homme va pouvoir se retourner, c'est l'initié. C'est celui qui va pouvoir se retourner et qui va pouvoir regarder la lumière en face. Et les autres, les hommes communs, les profanes, vont rester dans les ténèbres et vont ne voir que des reflets sur le fond de la caverne, alors que l'initié va pouvoir se retourner et va contempler ce qui est la lumière pour Platon. Et c'est très exactement le soleil égyptien. Ça n'est pas le soleil apollinien, c'est le soleil égyptien. Et en fait, l'explication de tout ce système idéaliste de Platon, qui est donc lié évidemment à une mythologie et qui n'est pas grecque, c'est que après la mort de Socrate, Platon part en voyage, parce qu'il a peur aussi, puis qu'il quitte la Grèce, et ce sont des voyages initiatiques, c'est-à-dire qu'il se rend en Iran, à Babylone, en Égypte et en Italie. Et dans chacune de ces contrées, il va rencontrer des initiés, il va connaître les initiés et les initiations de ces contrées. Il y en a deux qui prédominent, c'est celle en Italie. En Italie, c'est dans le sud de l'Italie où est la secte de Pythagore. Et il rencontre la secte de Pythagore. Il connaît des grands qui sont pythagoriciens, il rencontre des pythagoriciens, et il va tenir ces mathématiques de Pythagore. Ce sont donc des mathématiques ésotériques, ce ne sont pas des mathématiques, non, c'est pas une science totalement abstraite, c'est une science ésotérique. Et le problème de ces mathématiques, c'est pas lui, mais après, quand on les appliquera à Dieu, les mathématiques peuvent être appliquées à la nature, mais en ésotérisme, appliquées à Dieu, et ça va encore une fois servir de fondement à la gnose et à la cabale juive. Donc, si vous voulez, il y a donc dans Platon, évidemment, cette immense erreur qu'il doit à Pythagore, et qui va se transmettre à travers les siècles. L'Égypte, ça fait aussi penser à Éleusis. Éleusis a été pénétré, n'est-ce pas, par des doctrines égyptiennes, hein, je l'ai expliqué, notamment Isis, Déméter assimilé à Isis, et selon certains ésotéristes, Platon aurait reçu une initiation d'Isis en Égypte.
Et il tiendrait aussi la procession des idées, donc il va avoir d'un certain nombre de processions égyptiennes. Alors je renvoie évidemment à mon livre pour les détails, hein, je ne peux pas vous expliquer ça maintenant. Alors il reste des choses magnifiques dans Platon. Alors il a quand même la notion d'une âme individuelle. Alors le problème pour lui, c'est que cette âme individuelle, elle est en fait une partie de l'âme du monde. Donc on va retrouver ça aussi dans la gnose, notamment dans l'hermétisme, n'est-ce pas, où l'homme sera un microcosme du macrocosme et que donc participera à l'âme du monde. Donc l'âme individuelle pour Platon, elle descend des étoiles. Alors ça reste poétique. Et en fait, l'âme a presque une source extraterrestre. Par exemple, et l'initié, il lui pousse des ailes, les ailes qui vont lui permettre de voyager dans le ciel pour pouvoir y retrouver un modèle primordial. Alors ça rappelle aussi les voyages cosmiques des chamans, n'est-ce pas? C'est toujours cette idée une belle idée évidemment de remonter vers le ciel et d'aller chercher un modèle. Alors le modèle qu'on trouve, le modèle de la société que l'on retrouve dans le ciel, c'est plutôt iranien, hein, c'est un paradis primordial qu'on retrouve en Iran. Et Platon, le problème, ça c'est des très bonnes intentions, mais Platon va prendre ce modèle céleste, qui est aussi à Sumer, bon, etc. Et sa philosophie va consister à retourner à ce modèle. C'est ce que l'on appelle le mythe de l'éternel retour, qui s'inscrit donc dans le temps cyclique. Platon, en fait, théorise en philosophie le mythe de l'éternel retour des mythologies cosmiques. Et il théorise aussi un deuxième mythe, alors qui va nous atteindre, mythe de l'éternel retour, qui va évidemment atteindre aussi les matérialismes modernes. On n'est pas du tout dans les anciens temps. Et le deuxième mythe, évidemment, qu'il reprend, incompatible totalement avec le christianisme, c'est le mythe de l'androgyne primordiale. Pour Platon, l'homme primordial est enfermé dans une sphère. Cette sphère se coupe en deux. Et le but du retour est donc de réunir les deux parties de la sphère, c'est-à-dire réunir le masculin et le féminin. D'abord, ils sont séparés et les réunir, c'est-à-dire de les rendre égaux. Et évidemment, nous sommes là avec le mythe de l'androgyne, je le répète souvent, mais à l'origine de la théorie du genre. C'est pas, il n'y a pas, pour les initiés, une humanité créée par Dieu et qui soit bisexuée, un homme, une femme. Il y a une humanité androgyne et qui doit retourner à l'androgynie primordiale. Donc ça pose deux problèmes. Alors, problème supplémentaire qui se pose, c'est... Le problème au niveau de l'individu. L'individu va pouvoir retourner en arrière, mais en remontant dans des vies antérieures. Platon croit dans la métempsychose hindouiste, hein, comme Pythagore. Donc il va élaborer cette théorie de la réminiscence. Dieu va être connu par la réminiscence, qui est déjà presque un inconscient collectif. Il n'y a pas de personne elle-même. Dans chacune des consciences humaines, il y aura une réminiscence des vies antérieures. Et évidemment, ça c'est totalement incompatible avec le christianisme. Le deuxième grand problème, et donc le problème politique, c'est que Platon écrit la République. Alors la République, conformément à cette conception de l'âme, va être dirigée par ceux qui ont une âme supérieure, c'est-à-dire les initiés. Donc ça va être une République dirigée par des initiés. Ça vous fait sans doute penser à quelque chose. Et les initiés vont permettre le retour à l'âge d'or. Quel sera cet âge d'or? C'est le temps où il y avait une égalité entre l'homme et la femme, et Platon en tire la conséquence que la société doit être communiste. Il y a dans Platon, alors il y avait déjà dans Confucius, est-ce que Platon a connu Confucius, c'est très probable sur un plan chronologique, mais il y a cette idée d'un communisme primordial qui sera repris par Marx, par le gauchiste Habermas, etc. C'est évidemment un inconvénient avec des conséquences. Il y a dans Platon des choses qui sont absolument actuelles. Retirer les enfants aux parents, détruire la famille. En fait, il faut changer l'éducation des enfants pour qu'ils sortent de la religion. Alors là, c'est la religion, c'est les dieux, évidemment. Mais on pense après à ce que vont en faire les ennemis du christianisme, Comenius, Rousseau et évidemment les gauchistes actuels. Donc évidemment, la République de Platon est une utopie politique.
Son épistémologie est une utopie de théorie de la connaissance, et comme je le dis aussi souvent, l'utopie crée la violence, et donc les temps modernes sont en prémisse dans Platon. Voilà ce que je peux dire sur Platon. Évidemment, j'en donne beaucoup plus de détails. Alors, le grand mérite d'Aristote, qui est donc son élève, c'est d'avoir fait une sorte de retour au réel. Aristote est sorti de l'utopie platonicienne. Alors Aristote, je lui ai aussi donné ses dates, donc il est né en -384 et il est mort en -322. Alors il n'est pas mort à Athènes, hein, il est mort à Eubée. Et ça c'est lié à son parcours. Aristote, lui aussi est un homme, il naît dans un milieu très aisé, proche du roi de Macédoine, dont il sera d'ailleurs un professeur. Il est macédonien. Donc, si vous voulez, il a un problème, c'est que la Macédonie, c'est une colonie grecque, mais qu'il n'est pas à Athènes, parce que pour les Grecs, tous les étrangers sont ce qu'ils appellent des métèques. Hein. Je suis désolé, le nom vient de là. Donc il vient à Athènes uniquement quand Alexandre a gagné la guerre. Donc il suit le roi de Macédoine, et il devra quitter la Grèce après la mort de Platon, parce qu'il s'entendra pas avec le successeur de Platon, et évidemment surtout après la mort d'Alexandre. Alors Platon, donc quand il est en Grèce, il est l'élève de Platon, qui évidemment l'appelle l'intelligence de l'école, parce que évidemment Aristote est un génie et Platon le remarque tout de suite. Et il y aura cette amitié entre les deux, et ils sont amis, et Aristote dira je suis l'ami de Platon, mais je suis plus encore l'ami de la vérité. C'est une formule qui est absolument magnifique et qui évidemment mène aussi vers la vérité révélée. L'école, c'est la fameuse académie. Alors l'académie, ça tient son nom d'un dieu mythique qui était Académos, n'est-ce pas, ça se passe dans un endroit où il aurait vécu. Et Aristote va en faire le lycée. Le lycée, ça vient du mot péripatéticien, n'est-ce pas, c'est là où l'on marche, il enseigne en marchant. Lui d'ailleurs aussi a un double enseignement. Il a un enseignement pour les élèves favoris, et il en a un autre pour le grand public, si on peut s'exprimer à ça. Et donc, c'est pas un ésotérisme, mais enfin, il y a quand même un double enseignement. Et quand après la mort d'Alexandre, il devra partir pour ne pas subir le sort de Socrate, et il va donc s'exiler, il finira sa vie à Eubée, et lui, contrairement à Platon, est marié, il a des enfants, et heureusement pour la philosophie, il a pu finir son œuvre à Eubée, et il n'a pas été condamné comme l'avait été Socrate. Alors, la personnalité est déjà très différente de celle de Platon. Donc Platon était un poète qui faisait aussi du théâtre, et Aristote est un médecin, donc c'est un médecin philosophe. Et lui, il est vraiment attiré par le concret, par le vivant. Donc il effectue ce retour au réel. On passe de l'utopie à un réalisme philosophique. C'est aussi un souhait actuel, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans l'utopie des utopies, n'est-ce pas ? Et que donc nous allons vivre, sans doute par l'histoire, un retour au réel, alors qu'il vaudrait mieux le faire par la philosophie. Alors il y a aussi dans Aristote, évidemment, qui est un immense philosophe, des choses qui sont compatibles avec le christianisme et qui vont servir de fondement à toute la philosophie, dont la philosophie chrétienne. La méthode, hein, c'est-à-dire l'épistémologie, la théorie de la connaissance, les fameuses catégories, c'est vrai, qu'il peut définir. Ça, je ne les donne pas, hein, parce que c'est pas un cours de philosophie. On en reparlera avec les universaux. La méthode, l'induction, la déduction, le jugement, aussi dans la raison le rôle du fameux intellect agent. Il y a un intellect passif, un intellect agent. Bon, évidemment, saint Thomas reprendra cet intellect agent en modifiant d'ailleurs quelque peu. Alors la modification, j'en parle dans le deuxième livre qui va sortir, parce qu'il y aura évidemment tout un chapitre sur la façon dont les scolastiques ont pu puiser dans Platon et Aristote. Donc là, tout ça va très très bien avec le christianisme. Autre immense mérite d'Aristote, c'est il recherche l'être. Il a aussi l'idée d'analogie, déjà, ce qui sera la fameuse théorie de l'analogie de l'être, dont je parle aussi dans le deuxième tome, qui est un des fondements de la théologie chrétienne.
Il a aussi l'idée du principe de perfection, ce qu'il appelle le principe de perfection. Donc Dieu va être l'acte pur, parfait, etc. Le principe d'imperfection, ils vont provoquer les puissances. Tout ça sera repris. Il construit ce que l'on appelle une logique formelle. C'est-à-dire c'est la première logique qui va entraîner toutes les autres. Et formelle parce que c'est la forme. La forme, c'est, si on peut résumer, c'est la substance qui va organiser la matière. Ce qui évidemment peut correspondre, on peut dire que Dieu donne la forme à la matière, évidemment. Et l'âme va donner la forme au corps, c'est pas dans saint Thomas. Donc tout ça, c'est absolument magnifique d'abord et compatible avec le christianisme. Autre apport énorme qui va servir à la théologie chrétienne, c'est les fameuses causes, n'est-ce pas ? Le Dieu d'Aristote, donc il a la notion du Dieu, hein, évidemment, et il détermine quatre causes. Alors je ne vais pas non plus les exposer, je les expose, mais beaucoup de philosophes les ont exposées, c'est dans tous les cours. Enfin, on va quand même les rappeler juste brièvement, la cause matérielle, c'est-à-dire on va vers un réalisme, la matière existe, n'est-ce pas ? Les idées sont intégrées aux données sensibles, donc il y a une matière. Efficiente, la cause efficiente, c'est celle qui crée le mouvement, donc on est à l'origine de toutes les théories scientifiques. Cause première, donc ça va être évidemment Dieu, et cause finale, la matière n'est pas créée pour rien, donc il y a une cause finale. Donc tout ça, c'est formidable. Et il remonte avec cette idée de cause première, c'est peut-être la plus importante, à ce qu'il va appeler un premier moteur. Alors le premier moteur, il y a un paradoxe dans le premier moteur, c'est que il est à la fois déjà immatériel, donc comme le sera Dieu, éternel, il le donne comme parfait, bon, intelligent, donc tout ça, ça va être des attributs de Dieu. Mais ce moteur, pour Aristote, il est quand même interne au cosmos, c'est-à-dire qu'il est, c'est ce qui va donner le mouvement à l'univers. Le Dieu d'Aristote est un Dieu cosmique, et c'est déjà un grand tout dans lequel il y a un esprit et une matière, donc ça, on retrouvera ça dans des ennemis du christianisme, comme Spinoza, hein, la Kabbale est dans Spinoza, donc c'est pas rien. C'est un esprit de la matière, il est donc interne au cosmos, c'est un Dieu univers, on est dans un panthéisme. Ça, c'est incompatible avec le christianisme. Deuxième inconvénient de ce Dieu, c'est que il a aussi une forme d'abstraction, et qu'il se pense lui-même. Et ça, ça fait un petit peu penser à Zeus, il y a peut-être une réminiscence de Zeus, j'avais dit ça sur Zeus, et ça va nous amener à un dieu qui va s'éloigner de l'univers, ce que l'on appelle un Deus Ociosus, qui sera à l'origine de Kant, donc du formalisme de Kant, et d'idéalisme qu'on appellera transcendantal, hein, j'en reparlerai dans d'autres livres, je suis en train de travailler là-dessus, mais qu'importe, parce que le transcendantal, c'est pas le transcendant, c'est pas la même chose, et ça va nous amener au modernisme, c'est-à-dire que quand Descartes et Kant seront enseignés dans les monastères, la théologie chrétienne va être détournée de la théologie fondée sur Aristote, pour arriver au modernisme, qui a été évidemment condamné par la papauté au début du XXe siècle, je le répète. Inconvénient encore d'Aristote, c'est qu'évidemment, à partir du moment où son Dieu est cosmique, il n'y a pas de personne humaine qui soit à son image. Et donc, par exemple, un des inconvénients, c'est qu'en politique, on peut maintenir l'esclavage. Pour Aristote, il justifie l'esclavage. Bon, il était au service d'un roi, il a lui-même été régent, hein, du royaume, et il y a eu des esclaves. Deuxième grande question, alors là, je ne vais pas être affirmatif, mais c'est qu'il a été le mentor d'Alexandre. Et il y a dans Alexandre le premier cosmopolitisme dans la période de l'Empire d'Alexandre, qui évidemment a atteint le mondialisme. La grande question, c'est de savoir si ce cosmopolitisme était dans l'enseignement d'Aristote ou pas. Je n'ai pas la réponse, mais c'est quand même une grande question qui est très rarement posée. Donc si vous voulez, voilà le génie d'Aristote, voilà la faille d'Aristote, et c'est la même que Platon, c'est-à-dire que les deux sont naturalistes. Ils enferment tout dans une nature, alors qu'il soit spirituel ou matériel, mais c'est une nature. Je rappelle aussi que le naturalisme a été condamné donc à la fin du XIXe siècle par le pape, et en faisant la jonction entre les socialismes et la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a été condamnée
avant, mais elle a été recondamnée en même temps que le naturalisme, parce que c'est ce qui unissait tous les révolutionnaires, c'est la philosophie naturaliste qu'on va retrouver dans tous les mouvements révolutionnaires du XXe siècle, et dont il semble qu'une partie des théologiens ont aujourd'hui perdu, la compréhension du danger que ça représente pour le christianisme. Théologien moderniste, évidemment. Les grands inconvénients de Platon et d'Aristote. Alors, ils ont une innocence. L'innocence, c'est qu'ils vivent avant la révélation du Christ. Une fois que le Christ a révélé la vérité, on peut en déduire les conséquences philosophiques. Et évidemment, à ce moment-là, les philosophes modernes sont coupables, alors que eux sont innocents. Donc leur philosophie va servir à conforter le dogme chrétien, bon, on verra aussi dans le deuxième tome, mais évidemment malheureusement pour le combattre, hein. Et ça va être sans les trahir, parce que la part incompatible qu'il y a dans les deux, on va la retrouver dans la gnose, on va la retrouver dans le néoplatonisme, on va la retrouver dans la philosophie dite arabe, puisqu'elle ne l'est pas, on va la retrouver dans la Kabbale, dans la Renaissance, dans le cartésianisme, dans les Lumières. Donc ça, c'est tout ce que j'ai décrit, que je résumerai aussi dans le deuxième tome de l'intelligence du christianisme, dans ce que j'ai décrit dans la guerre des gnoses, de la conspiration des philosophes. Tout ça, ça n'est pas trahir Platon et Aristote que de les utiliser contre le christianisme. C'est triste à dire. Alors, par conséquent, contrairement à certains adversaires de la gnose actuelle, et je les félicite d'être adversaires de la gnose, je ne suis pas anti-platonicien, parce que Platon a été christianisé au forceps, mais par saint Augustin. Je suis anti-néo-platonicien, c'est-à-dire que c'est le Platon qui va être soumis à l'ésotérisme judéo-égyptien, donc les deux ésotérismes, à partir de Philon le Juif et de Plotin, donc ça je renvoie aux conférences que j'ai pu faire sur l'histoire secrète de la philosophie, et ce néo-platonisme qui concerne Platon, donc ça on va le retrouver, mais aussi Aristote, parce que vous allez avoir des aristotéliciens arabes qui vont être néo-platoniciens et qui vont donc dresser Aristote contre la métaphysique du dualisme de l'être qui sera celle du christianisme. Donc si vous voulez, il n'y a pas de culpabilité de Platon ni évidemment d'Aristote, et donc je ne suis ni platonicien ni aristotélicien, parce qu'il y a aussi en eux des erreurs qui peuvent être exploitées. Je suis augustinien et thomiste. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que on parle souvent d'un miracle grec. Mais le vrai miracle grec, c'est la scolastique. C'est parce que les scolastiques ont puisé dans l'intelligence du christianisme qui découlait de la révélation tout ce qui était nécessaire pour éclairer la philosophie grecque, c'est-à-dire en fait pour la sanctifier, pour l'amener sur le chemin du salut, et que cette scolastique a été inversée par Descartes. Et évidemment, ses successeurs en ont fait une philosophie moderne qui a provoqué la révolution moderne, qui a provoqué les temps modernes. Et ces temps sont diaboliques, n'est-ce pas ? La pensée actuelle est soumise à des cultes diaboliques. Ce pourquoi je mène cette croisade culturelle qui passe par les temps antiques et qui va maintenant, dans le deuxième tome, passer par l'explication de l'intelligence du christianisme à partir de la révélation et ses conséquences philosophiques et sociétales. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous surprendre en terminant de la même façon et de dire toujours, n'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.